petits et grands, on les tous réunis. Petits et grands, on les tous réunis. Belle, de faire un pédicure au cabanon. Mais pas de gauche, hein. Ils ont constitué un régiment. Et donc là, on est resté jusqu'en 1951. Fin 51, je me suis marié. Et là, nous sommes repartis. Donc première année de médecine, deuxième année. Un régiment d'hidobie. Hein? Ça l'a fait beaucoup ou quoi? Le régiment de sang. Des gourmands et les affamés. Vous trouvez toujours au cri de liberté. Carrément. Voilà. Ça y est. Hop là. Prête là. Quasi. Elle est dans le feu. Elle est à dents. Je vais manger. Et Sylvia, tu repartis pour son petit alors. Et Sylvia, parce que. Ne vois pas. Qu'est-ce que tu nous dis, Polo? Elle a plus de bougies. Sur les rochers. Demain. On ira l'acheter. Et le soleil, le jour blanc, la raison. 9 mois plus tard, bon choix. Après la norme, au cabanon. Mais putain, qu'est-ce que ça chauffe bien. De rien, ça chauffe. Hein. Ça chauffe. Et on convive, voilà, donc venez avec moi, je vous montre la table. Enfin, on va pas rouiller, il n'y a pas d'eau sur la table. Elle, c'est du blanc qu'elle boit, elle. Non, mais c'est bon. Peut-être que c'est bon. Plus personne veut des caillettes. Ah, j'ai enlevé les pâtés caillettes, là. Je les enlève. Hein. Mais c'était là. Les pâtes sont cuites. Ah, et papa, il était avant Andrex, l'acteur, tu connais. Papa avait été pris. Non, qu'est-ce que t'as pas? Et tout. Il a tout suivi tomber sur maman. C'est bon. Et il a laissé tout tomber. Oui, ça fait l'acteur quand même ce matin. Elle est fils de la famille. Je vais de faire un pédicure au cabanon. Frère Christian, je ne suis pas un python ni un cobra. Bravo, hein, maman. Hein. Bah, tu m'as pas élevé comme ça, hein, comme ça, quand même. Tu es chaud, Patrick. Voilà, c'est bon. Non, c'est une petite vanne. Alors, Valère, comment tu le trouves? Moi, en général, je dis on va. Très bien. Y aller alors. Ça pèse au moins 10 kilos là. Oui, exactement. Et bien là, oui. Le bourguignon, le bœuf bourguignon. T'aurais peut-être un peu de lumière pour que tu profites de la lumière, monsieur ma chérie. Come on. Et voilà le bourguignon. Parce qu'il le porte là, attends. Là. Où le poser, c'est ça le problème. Je crois que ça va être cher. La sucre, le champagne. Il y a le chichi là. Elle va le servir, on le met dans un coin, ça servira. Il y a une des roses. On met trois bouteilles. Non, vous y faire. Ouh, il y a chaud, il y a chaud. J'ouvre un peu, hein. Mais je pense qu'on devrait. Pose le couvercle là. Voilà commentaire, commentaire, commentaire. Allez, Claude, tu vas voir. Claude, commentaire. Écoutez, le bourguignon a mijoté pendant toute une nuit et nous allons le déguster avec plaisir. Un peu de jus, là. Une taillette très bonne. Gisèle, t'as pas mal. C'est de Gisèle, un peu moins. Petit bœuf bourguignon. Petit bœuf bourguignon. Au bout de 5 minutes, il commençait son cours. Pas une tonne. Comme ça, un peu de jus, voilà, c'est très bien, un peu de sauce. Monsieur, parlez-nous de.
Très bien. Merci beaucoup. Le canuet, monsieur, parlez-nous de. Ah, il y a Christian. Mais Christian, c'est encore toi. Mais je me suis servi. Non, c'était pas toi. La table est magnifique, la maison est magnifique, tout est. C'est ta première fois dans la région? Ah non, j'en étais venu l'an dernier. Je suis venu l'an dernier, Alain et Karine. Ah, tu connaissais Sorbier déjà? Et là, je suis Sorbier, je connais très bien l'épine, parce que j'ai des amis, les viticulteurs sont de l'épine. Enfin, ils viennent souvent à l'épine. Je connais très bien. Appelle pas trop les femmes. Tu vas brancher. Je te donne une bonne matrice de mots. Il y a Claude qui brèche. Je brèche. Il brèche. C'est pas parce que je suis là ou là. Moi, ce coquin, il brèche, le Claude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot à la maison. Brancher, ça veut dire. Mais c'est pas un vrai mot. Mais je passe en continu. Je te rappelle que c'est une soirée. On était une par la fenêtre et l'autre qui passe par la porte. Elles étaient assises là et lui au milieu. Bon Claude, tu pourrais nous dire un mot sur ces deux filles avec qui tu flirtais? Ces deux filles, bon, les deux plus charmantes, avec évidemment tout. Comme vous voulez passer pas entre les fleurs, vous souvenez de ça. On est pas bien manque de passer. Et je vais passer pas là, dans la même soirée. Je veux dire, ceux qui vont être là, je sais pas s'ils vont tenir. Hein. Vous pouvez l'enlever? Tu vas tenir. Parce que YouTube, te le... au bout d'un moment, te l'éjecte. C'est ça, hein? Bon, je vais chercher le plat principal. Purée, quelle bouffe! Oui, il pèse au moins 10 kilos! Non, je l'enlève. Avec ma maman, oui. Claude, alors qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une formidable soirée où nous avons la chance d'être en... entre amis, famille, etc. Et nous passons d'excellents moments où nous pouvons deviser sur le pape François, sur des questions philosophiques, politiques, et justement la veille des municipales, où je pense qu'il y aura un grand raz-de-marée de la droite et nous pourrons faire reconquérir dans quelques années le pouvoir. Voilà, donc c'est une bonne soirée, canon des lendemains qui chantent, et voilà, c'était... Bon Patrick alors. Ben écoute, je croule sous les plaisirs de cette table. Cagnette, je sais pas ce que c'est ça, une daube. C'est une daube provençale. Une daube provençale, en plus les airs de mon grand-père. Avec des taureaux. Mes cheveux vont repousser pour peu, hein. Tu la gardes à ton assiette. Que dit Polo? C'est pas pour ça que je connais bien le vin, mais. Polo, bien oui. Pas mal de vin. Qu'est-ce que tu dis là-dessus sur ce plat? Mais je dis que c'est du fait avec un taureau provençal. C'est un jour. Donc, te flipper. Allez. Non, mais Thibaut, tu es bien éclairé en plus. Tu peux y aller, tu es bien éclairé. Pour une fois que t'es belle, vas-y. T'es belle au minimum. Franchement, pour qu'il se prend. Donnez-lui une gifle aussi. Clac. Attends. Ça va? La fan de Gauguin, tu nous dis quelque chose? Non. De Gaudin, pardon. De Gaudin. Non, je vote à Gemnos, alors c'est bon. Et alors, t'as voté pour qui? J'ai voté pour 86% et demi, quand même, du maire. Et quel lado? Quel côté? Divers à droite. Je l'ai passé, 86% à Gemnos. Ouais, 86 et demi. Donc aujourd'hui, tu te la roules. Oui, je suis contente. Tu es en villégiature. Voilà, parce que Gemnos, c'est un beau village et il y a plein de choses à faire. Il le dit, il est très peu. Oui, il est reconnu. Voilà. Je cherche un peu de bois. Moi. Alain, alors, ce repas. Alain, oui. Ce repas. Quatre cadavres. Myriam, c'est en arabe. C'est. Il y a un nom aussi, mais je ne me rappelle plus, mais je le sais. Ouais. Comment on dit Myriam en hébreu? C'est écrit, c'est écrit. Sus. C'est écrit, c'est écrit. Attention, les touches pas, c'est très très chaud. En revanche, il y a un petit truc pour le feu, c'est magnifique ça. Quoi? Les petites bougies là, encore. Tu veux des cahiers? Ça va. Un petit quelque chose quand même. Allez, vas-y, alors. Oui, il y a un truc, oui. Allez, sauce. Oui, bon, j'adore la caillette de sorbier. Ben, dis-le-moi, moi. C'est pas faux, ça, là. Voilà, tu vois, l'avais retenu, ben là, c'est sorti. Là, tu l'as sorti, ta caillette. Dis-nous que... Oh là 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 là. Oh là là.
Venise Provençale. C'est très beau. Belle image, hein. C'est mes amis feu, ça. Le plein pot en full frame. Magnifique. Adieu, Venise Provençale. De mes amours. Arrête. T'as fini, ouais, non. La sagesse, c'est de ne pas parler quand on n'a rien à dire. Voilà, bravo. Ah, bravo, bravo, papa. Bravo. Et ben moi, la sagesse, c'est de manger quand t'as rien à dire. C'est à combien, là? La vaisselle, c'est combien? C'est la fin. Hein? C'est la fin. J'ai mon petit père. Vos parents sont partis à l'indépendance. 6. Mal, alors? Non, tu m'as séduit. Je sais que tu m'as séduit. On a la fin de Marseille, on a la fin. Alors, j'ai dit que tu ça sent très la vaisselle. Au com. En 1936. Et chers amis, nous avons passé un moment. Claude, il a le talent de speaker. Entouré d'amis, entouré de gens fort sympathiques. Et à l'issue de ce repas sympathique, chaleureux et convivial, il faut le dire. La tête par là. Nous avons donc, après ce repas, dansé, chanté d'une manière fraternelle et sympathique. Et j'espère que demain, la tête par là, tous ensemble, nous pourrons enfin nous réunir une nouvelle fois et d'un commun accord fêter tous ensemble l'anniversaire de Patoche. Oui, Patoche. Ça vous étonne peut-être, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Patoche, notre sympathique Patrick, qui nous vient de Toulouse. Le phare toulousain. Le phare. Le cassoulet, on peut le dire. Le cassoulet. J'ai pivoté. Le cassoulet toulousain. Eh bien, avec lui, nous fêterons son anniversaire. Enfin, tous ensemble, et nous chanterons un happy birthday to you. Le plus beau. Bon alors. Oh là là. Combien de fois?
Bravo. Bravo. Le père a fait des cuisses au chapanon.